Bonjour, je vais encore remercier la Maison Harmattan pour son invitation concernant mon livre Louis-Vincent Thomas et le Sénégal. Oui, après avoir produit un ouvrage sur Georges Balandier, qui a été le premier sociologue qui a initié la recherche au Sénégal, 1945. Et après lui, j'ai initié une étude sur Louis-Vincent Thomas. Louis-Vincent Thomas, c'était le premier enseignant en sociologie au département de sociologie et le premier, enfin, le troisième doyen avoir siégé à la faculté des sciences humaines. Donc il m'appartenait, en tant que sociologue, organiser un ouvrage sur Louis-Vincent Thomas, qui a été un des grands chercheurs aussi au Sénégal. Et c'est comme ça que j'ai demandé à mes jeunes collègues d'organiser une série de mélanges pour cet initiateur de l'enseignement de la sociologie au Sénégal. C'est un ouvrage de 350 pages et qui est parti en trois parties. Donc, un ouvrage où il y a des témoignages, il y a des thèmes aussi qui sont axés sur l'actualité, sur les recherches et sur d'autres thématiques en sociologie. Cet ouvrage vient à son heure. Il fallait d'abord le faire, ou plutôt parce que Louis-Vincent Thomas, vous savez, est mort il y a une trentaine d'années. Donc on devait initier cette étude, mais il se trouve que le temps n'était pas propice à l'époque. Et aujourd'hui, on a senti le besoin quand même de faire un ouvrage sur ce chercheur émérite qui a fait connaître la sociologie au Sénégal et aussi en Afrique. Donc, beaucoup de collègues ont apprécié cette initiative et j'ai coordonné l'ouvrage qui a été distribué à tous les contributeurs, mais aussi qui est en vente dans beaucoup de librairies, tant au Sénégal qu'à l'étranger. Voilà en fait ce qui m'a poussé à produire cet ouvrage, une fois encore. Après l'ouvrage de Georges Balandier, je me suis dit qu'il fallait aussi produire cet ouvrage aussi sur celui qui a enseigné la sociologie dans nos universités, notamment à la faculté des lettres et sciences humaines, et à l'Ifanchien en Tadjouk. Voilà un résumé ce que j'avais à dire sur cet ouvrage.